Salut tout le monde, c'est Distin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Je vais vous présenter tous les joueurs qui sont, enfin tous les top players qui sont en fin de contrat au bout de la première saison. Mais je tiens à préciser que pour la souplesse des transferts, j'ai mis souple. Donc après, dans vos parties, il y a de fortes chances que ces joueurs-là prolongent. Parce que dans FIFA 22, il les laisse plus rarement sans contrat, en fait, les gros joueurs. Du coup, je vais vous présenter une vingtaine de joueurs, les meilleurs, qui sont en fin de contrat. Alors, on va classer par poste. Du coup, il y a Hugo Lloris, 34 ans, 87 de général. Il est à son potentiel max. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous économiserez 13 millions parce que 13 millions 5 vous l'aurez gratuit. Handanovic, 86 de général, pareil, il est au top de son potentiel. Mais bon, il y a de fortes chances qu'il régresse à 37 ans. Même Hugo Lloris, il va régresser un petit peu. Mais bon, ils ont une bonne note générale, donc c'est pas trop mal. Ensuite, latéral droit, il y a Mazraoui qui a 80 de général seulement, mais il a un potentiel de 85. Donc c'est intéressant. Pour un joueur 29 millions, vous l'aurez gratuit. Après, il y a un vétéran des terrains, Thiago Silva, 85 de général. Bah pareil, à son max du potentiel, mais faut se mettre dans l'idée aussi, pareil, qu'il va régresser. Matthias Ginter, 27 ans. 84 de général. Il a encore un point de progression. Il peut aller jusqu'à 85 de potentiel. Après, avec les potentiels dynamiques, s'il joue beaucoup, il va progresser en plus que ça. Donc, Mac est défenseur central. 42 millions, lui, c'est une sacrée affaire si vous arrivez à l'avoir gratuit. Niklas Zoule, pardon. 82 de général. Et il peut monter jusqu'à 87 de général. En plus, il a que 25 ans. Pareil, 40 millions d'économies si vous arrivez à le prendre. Andreas Christensen, 80 de général. Et lui, il a un potentiel de 85. 25 ans, 1m87, 28 millions. Il y a des bonnes affaires à faire. Ensuite, milieu de terrain, il y a Franck Yannick Caissier, 84 de général, et lui il a un potentiel de 86, c'est pas trop mal, 49 millions et demi, donc sacrée économie aussi. Un qui est un peu moins connu, je pense, Zakaria, 24 ans, 80 de général, avec 86 de potentiel, 30 millions d'économies. Boubacar Camara, bon, il est connu par les supporters marseillais et puis par la Ligue 1, c'est un bon joueur. Et lui, il a 80, en plus il peut jouer milieu défensif et défenseur central. Et lui, il a un potentiel de 86, donc c'est très bien, à 21 ans en plus, il est jeune. Pogba, 87 de général. Il est au max de ce potentiel. Lui, c'est une très grosse affaire, hein. 80 millions d'économies à 28 ans en plus. Après, il y a Modric, 87, il a au max de potentiel, pareil. Milieu central, bon, il va régresser aussi, hein. Il vaut quand même encore 32 millions. Et là, la pépite du Barça, Pedri, 81 de niveau. Et il a un potentiel de 91, c'est le meilleur potentiel des fins de contrat parmi les joueurs que je vais vous présenter. Et il vaut 54 millions. Donc lui, si vous pouvez le choper, chopez-le, parce que 91 de potentiel, c'est énorme. David Silva, bon, lui, il est connu, hein. 35 ans, 85 de général, 22 millions de valeur. Bon, bah, comme tous les plus de 30 ans, bah, il va régresser, mais bon, c'est encore un bon joueur. Lorenzo Pellegrini, 25 ans, 81 de général, il peut monter à 86. Il vaut 38 millions. Paulo Dybala, 87 de
De général, il peut encore progresser d'un niveau, il peut aller à 88. 93 millions d'économies. Mais bon, je pense que ces joueurs-là, dans FIFA 22, il est prolongé plus réaliste que dans les anciens FIFA. Dans les anciens FIFA, on arrive à choper des gros joueurs facilement, quoi. Là, Di Maria, 87 de général, 33 ans, bah, il est à fond pareil. 50 millions d'économies quand même. Ousmane Dembélé, 83 de général. Il a un potentiel de 88. Il a que 24 ans en plus, il est encore très jeune. Hein. Bon, il se blesse souvent, c'est ça qui est dommage. Il vaut 55 millions. Mbappé, bah, tout le monde le sait, ça, qu'il a enfin le contrat. Là, c'est énorme, là. Si vous arrivez à le choper, 194 millions d'économies. Il a un potentiel de 95. Mais bon, lui, si vous arrivez à le choper, chapeau. En sans contrat. Hein. Luis Suarez, 88 de général, 34 ans. Bah, pareil, hein, c'est un top player, mais bon, il va être sur le déclin. Et ça peut être intéressant de l'avoir gratuitement, en doublure ou quoi. 44 millions d'indemnités d'économiser. Cavani, pareil, 34 ans. Un bon buteur en vétéran qui va sûrement régresser. 26 millions d'économies, c'est pas mal. Lorenzo Insigne, un bon petit joueur. Champion d'Europe avec l'Italie, 30 ans, 86 de général. Pareil, il est au top de son potentiel. Il vaut combien? 65 millions d'économies. Puis voilà, il n'y a plus de joueurs. Du coup, c'est les 20. Les joueurs. Il y a 22 joueurs. Ils ont minimum. Dans ce que je vous ai présenté, ils ont minimum 80 de général. Je suis pas descendu plus bas. Je ferai une autre vidéo pour les joueurs plus modestes, mais avec un fort potentiel. Par exemple, des joueurs, je sais pas, qui ont. J'ai pas encore décidé, mais dans les 70-75 de général et qui sont en fin de contrat et qui ont un potentiel au moins de 80. Pour comme ça, quand vous avez des petits clubs, vous pouvez recruter des joueurs à fort potentiel gratuitement. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!